Bonjour tout le monde, nous avons une nouvelle leçon de grammaire. Avant de commencer, on doit faire un rappel sur le groupe verbal, sur la leçon précédente. Nous avons vu que le groupe verbal est essentiel à la phrase. Il est composé du verbe conjugué et du complément de verbe qu'on ne peut pas supprimer. Voilà un petit exercice. Souligne le groupe verbal, puis entoure en rouge le verbe et en bleu le complément du verbe. La première phrase La nekasha décore les mains de Zakia. Les musiciens jouent des airs populaires. Maintenant, prenez vos livres de lecture, page 167. Lisez les phrases de la rubrique J'observe et je découvre. Phrase 1. Aujourd'hui, Riyad est content car il commence son premier jour de jeûne. Phrase 2. Asmaine est décidée. Elle veut aussi jeûner. Phrase 3. Les garçons accompagnent leur père et ils entrent dans la mosquée. Phrase 4. Les filles se préparent et elles accompagnent leur mère à la mosquée. Regardez la phrase 1. Qui commence son premier jeûne? La réponse, c'est Riyad. On passe à la phrase 2. Qui veut aussi jeûner La réponse, c'est Asman. La phrase 3. Qui entre dans la mosquée Ce sont les garçons. Phrase 4. Qui accompagne leur mère à la mosquée La réponse, ce sont les filles. Prenez les crayons, soulignez Riyad, Asman, les garçons. Et les filles on passe à l'exercice 2 regardez la phrase 1 par quel mot est remplacé le nom riad la réponse riad est un nom masculin il est remplacé par il il est un mot qui s'appelle un pronom personnel dans la phrase 2 pourquoi a-t-on utilisé le pronom personnel elle La réponse On a utilisé le pronom personnel elle pour remplacer le nom de Asman. Alors Asman, c'est un nom féminin. On passe à la question 3. Par quel pronom personnel est remplacé le groupe nominal les garçons Vous avez. Il à la troisième personne du pluriel qui remplace le mot garçon, parce que le mot garçon est un nom masculin pluriel. La phrase 4, pourquoi a-t-on utilisé le pronom personnel elle Elle au pluriel remplace les filles, qui est un nom féminin pluriel. Et pour la dernière question, pourquoi emploie-t-on des pronoms personnels on emploie des pronoms personnels pour remplacer des groupes nominaux et pour éviter la répétition. Alors, comment faire pour éviter la répétition? Pour répondre à cette question, on prend la phrase 2 et 3 comme exemple. Phrase 2, Asman est décidée. Elle veut aussi jeûner. On peut écrire cette phrase autrement. Asman est décidé. Asman veut aussi jeûner. Regardez, vous avez le mot Asman qui se répète. Ce mot, c'est un nom d'une fille, un nom féminin. On l'a remplacé par elle, un pronom personnel substitut de la troisième personne du singulier. On prend maintenant la phrase 3. Les garçons accompagnent leur père et ils entrent dans la mosquée. On peut écrire cette phrase d'une autre manière. Les garçons accompagnent leur père. Point. Les garçons entrent dans la mosquée. Vous voyez que vous avez le mot garçon qui se répète. On l'a remplacé par il, un pronom personnel, substitut à la troisième personne du pluriel. Regardez les pronoms personnels qu'on a utilisés. Ils ont le même genre, soit ils sont au masculin ou au féminin. Et ils ont le même nombre, soit ils sont au singulier ou au pluriel, que le nom qu'ils doivent remplacer. Passez à la rubrique ⁇ Je m'entraîne ⁇ Faites l'exercice 1. Je lis la consigne. Relie les groupes nominaux aux pronoms personnel qui peut les remplacer. Vous avez dans la première colonne des pronoms personnels substituts et dans la deuxième colonne des noms. Faites attention, on a dit que le pronom personnel a le même genre et le même nombre que le nom qu'il doit remplacer. Passez à l'exercice 2. Soulignez les pronoms personnels substituts. On a vu quatre pronoms. Faites l'exercice 3. Utilisez des pronoms personnels pour éviter les répétitions. Vous avez un exemple. Le lion a rugi. Le lion a attaqué le tigre. Le mot qui se répète, c'est le mot lion. C'est un nom masculin singulier. On l'a remplacé par il, la troisième personne du singulier. Le lion a rugi. Il a attaqué le tigre. Pour faire les autres phrases, cherchez d'abord les mots qui se répètent. Regardez leur genre et leur nombre pour bien choisir les pronoms personnels.